Et salut les amis, comment allez-vous? Ici Tarik86 et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur F1 2019 pour la suite de notre carrière en F2, toujours via le championnat F2 de 2018, toujours dans la peau de Nicolas Latifi chez Dams. Nous sommes rendus à la mi-saison, la course 6 sur 12, et ça se passe où? Ça se passe en Autriche sur le Red Bull Ring. Donc nous sommes actuellement premiers avec 135 points et notre coéquipier est deuxième avec 109 points, juste talonné par George Russell qui lui manque un petit point pour lui passer devant. Donc voilà, comme d'habitude, je fais les qualifs de mon côté et on se retrouve tout de suite pour la course. C'est enfin le jour de course à Spielberg et les pilotes terminent leurs préparatifs sur la grille avant le signal du départ. Admirez ce magnifique paysage, je suis sûr que la course d'aujourd'hui va lui rendre honneur. Spielberg est l'un des tracés les plus courts du calendrier de Formule 2. Seulement 10 virages, dont 7 à droite et 3 à gauche. Attention à la zone de freinage dans la montée qui précède le virage numéro 3, qui est idéal pour doubler. Il en va de même pour la ligne droite du virage numéro 4, puis dans les suivants qui font le tour jusqu'au virage numéro 1. Davide, pensez-vous que la course aujourd'hui aura quelque chose de différent? Les écuries sont toutes très compétitives pour le moment. Donc allons-nous voir quelqu'un en particulier faire une percée? Bonjour Alex. Je ne suis pas certain de voir quoi que ce soit qui sorte de l'ordinaire en ce qui concerne les manœuvres à risque. Mais les écuries ont étudié tous les concurrents très attentivement. Donc je crois qu'on va avoir droit à une course très intéressante aujourd'hui. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Pendant que les ingénieurs effectuent leur dernier contrôle sur les voitures, voyons l'ordre des pilotes sur la grille. Luca Giotto s'élance de la première place aujourd'hui, et c'est Sergio Sette Câmara qui part en deuxième. En ce qui concerne le reste de la grille, Norris, Makino, Alexander Albon et Fuoco, Fukuzumi, Latifi, Neri, Louis de Letraz, Bocolacci, Russell, Jack Aitken et Mark Eloff, Gary, De Vries, Hunter et Sean Gelael, Maini et Alessio Laurendi qui part en dernier. L'extinction des feux est imminente. Dirigeons-nous vers le circuit. Virage arrive vite, donc les pilotes seront regroupés. Fais attention. Et les amis, nous voilà donc sur la grille de départ du Red Bull Ring en Autriche. Je suis désolé, il y a eu du bruit pendant le début de la cinématique, c'est que j'ai maravé trois mouches qui me faisaient chier, et il y en a encore une quatrième là, qui me tourne autour. C'est très embêtant quand on conduit. Bref, je passe ma vie. Nous sommes... Qualif était sous la pluie en pneus bleus, wet. Donc j'ai réussi qu'à faire un huitième temps, c'était assez chaud quand même. Donc mon coéquipier Alexander Albon est par quatrième ou cinquième, je sais plus, on le voit là-bas devant. Donc hop, on va lancer tout de suite la course. C'est la course principale, ensuite on aura la course sprint. Allez, on va essayer surtout dans le premier virage de rien casser. C'est parti. On prend un meilleur départ que Fukuzumi. Et on va essayer de prendre Foucault par l'intérieur et de pas taper. On sort un peu là. On a été un peu tout droit. On passe sixième. On a quand même gagné deux positions. Malgré qu'on ait un peu foncé tout droit dans le virage. Je rappelle qu'on est toujours en 90% de difficulté. Hop, là ça dérape un peu quand on accélère trop fort dans le virage là, dans Je la me présente montée. bien au démarrage. Ok. Je sais pas où est Albon, il est juste devant, il est quatrième. On va essayer de faire l'intérieur là. Et ça passe. Ça passe très bien même. Allez, on est juste derrière le coéquipier. Oula, les zones de freinage en plein soleil, là, j'ai pas trop vu où je devais freiner. Parce que je rappelle que je me repère moi à la trajectoire, hein. Si je mets la trajectoire, c'est pas pour savoir où sont les virages, puisque je les connais, comme je le disais l'autre fois. C'est surtout pour savoir à peu près où freiner, quoi. Allez, c'est parti. On va arriver déjà à la fin de ce premier tour. Tour très rapide ici, en Autriche. On est parti pour 10 tours. On revient un peu sur le freinage, là. On va essayer de sortir un peu plus fort qu'eux. Non. Il démarre un peu plus vite quand même.
Surtout pas lâcher le groupe, histoire d'avoir du DRS dès le troisième tour. Ça se décale, ça se décale. Oh là là, on pète l'aileron dans le coéquipier. On est à l'extérieur. Ah là là, dès le deuxième tour, on casse l'aileron. Oh là là, casse moteur devant de CT Camara. On va essayer quand même de passer sur le coéquipier. Position. Ah là là, je l'ai dépassé pendant le drapeau jaune. Ah, j'ai dû relaisser passer Albon parce que je l'ai dépassé sous drapeau jaune. Ah, c'est dommage. Et là, ça y est, on a la manette qui tremble puisqu'on ne tourne plus comme il faut. Ça va être compliqué, faut que je regarde dans quel état il est l'aileron là. Ah, il est bien orange quand même. Ah zut. Et j'ai la mouche, la quatrième mouche que je disais qui vient m'embêter. Ah, ça fait pas nos affaires ça. On avait réussi à passer sur Albon. Mais malheureusement, c'était sous drapeau jaune, on a dû lui recéder la place. Et d'un coup, on n'est même pas dans le DRS. On coupe un peu là, on a de la chance de ne pas avoir une pénalité. Et il y a Makino qui va être à l'affût derrière nous. On est trop loin pour le DRS. Ouais, il démarre beaucoup plus vite que nous. Ça va être compliqué avec cet aileron en moins là. Dès le deuxième tour, on casse un aileron. Alors que première course à Monaco, on n'avait pas cassé d'aileron. Qui était pourtant plus propice à la casse. Ah ouais, ça tourne pas. On va perdre du temps. On va perdre énormément de temps sans cet aileron là. Bah, ça va nous handicaper pendant plus de la moitié de la course ça. Très compliqué de tourner, hein. Circuit très rapide en plus. Ouais, non, on pourra jamais avoir de... Alors que Makino va peut-être avoir le DRS sur nous. Albon a le meilleur tour. Il a souvent le meilleur tour, Albon. Virage en plein dans le soleil là. Vous voyez pas trop où fallait tourner. Ah bah cet aileron va nous empêcher d'être compétitif. Maintenant il n'y a plus qu'à miser un peu sur la bagarre devant pour qu'on puisse remonter un peu. Et j'ai toujours cette mouche qui m'embête. Obligé de donner des coups de manette un peu à droite à gauche. Bon, le seul qui risque de passer devant là avec cet aileron en moins, c'est Makino qui est juste derrière. Bon, on est obligé de bien ralentir. Mais ah, m'emmerde cette mouche, sans déconner. Putain, mais j'ai pas de peau là. Ah, faire des vidéos l'été, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux avec les mouches. On a perdu du temps là à cause de ça là sur Albon. Ça se bagarre devant apparemment, je vois que ça se décale là-bas. Oui, je dis le seul qui peut nous reprendre une place c'est Makino qui est juste derrière nous. Après je pense le sixième, je sais pas qui c'est, mais il est un peu plus loin par contre. Ouais, ils sont trois là-bas à se bagarrer devant. On a freiné un peu tard là. Ah ouais, ils sont vraiment trois. C'est Giotto qui est. Premier, non? Ah, ils sont deux de front apparemment là-bas. Ça ralentit Albon et ça nous permet de remonter un peu. On freine très tard là. Norris vient de prendre la première position. Ah, c'est Norris, ok. Qui a doublé Albon, qui a doublé Giotto. Allez, on va essayer de rester proche pour avoir du DRS. On rappelle qu'Alexander est derrière nous au classement général. Il
DRS détecté, c'est bon. Allez, c'est parti. Mais eux aussi ont du DRS devant. On a lâché un peu Makino derrière. Et c'est parti, on est dans les zones de DRS, c'est très bien ça. On se décale pour pas taper notre coéquipier. Ah là 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 là. On est toujours dans le DRS, heureusement, mais par contre on s'est décalé. Je me suis décalé exprès pour pas taper notre coéquipier. Avec le DRS, on arrivait beaucoup plus vite que d'habitude dans le virage. Et la mouche qui revient m'embêter. Putain, c'est pas vrai. Oh. Comment te gâcher une course, avec un handicap extérieur. Ah, alors on a perdu du temps là. On a perdu extrêmement de temps. Là, on va plus être dans le DRS, ça m'étonnerait. Si on est encore dedans, ça doit être juste. Allez, encore 4 tours. Je pense qu'on va finir quatrième. Là, c'est vraiment cet aileron qui nous handicape. Ouais, là, on n'est plus détecté. On n'a plus le DRS, on est trop loin. Toujours Albon qui a le meilleur tour. Il va pouvoir prendre 2 points supplémentaires. On a bien pris l'épingle là. J'ai freiné un peu en avance, histoire de ne pas lui rentrer dedans parce que je suis vraiment en danger pour lui. Allez, on reste collé là, le maximum. Ouais, sans aileron, je ralentis beaucoup plus que dans ces virages. C'est ici que mon aileron en moins m'handicape le plus. Ces deux virages là. Allez, on va essayer de rester dans l'aspiration. C'est chaud, il reste encore 3 tours. Et on prend le meilleur tour. On a toujours le DRS, il va falloir faire attention là dans l'épingle. Pas freiner trop tard. On va arriver beaucoup plus vite que sans le DRS. Oh là 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 là, on plonge à l'intérieur. On touche un peu Albon. Ah, ça va être compliqué de le dépasser. J'essaye de vraiment pas le taper, hein. Je l'ai déjà touché 2 fois, enfin une fois et l'autre fois je me suis décalé. Ah ouais, il redémarre plutôt que moi dans ce virage là. Ah, je suis à plus loin de lui que tout à l'heure. Ah, j'ai un secteur 2 moins bon. On est arrivé un peu vite là, on a quand même le DRS, mais on est ressorti moins vite du virage. Allez, avant dernier tour. Alors, on a gratté un peu plus que d'habitude là, histoire de revenir un peu sur Albon. On va essayer de lui refaire l'intérieur là, on est un peu loin quand même. Hein. On retarde un peu notre freinage. Est-ce que ça passe? Non, il est toujours là. Il démarre plus vite que nous dans la montée. On va essayer en prochain virage. Il y a Giotto aussi qui se décale. Norris est en tête. Ouais, mais il est tranquille parce qu'on se bagarre derrière. Ah, j'ai pas tenté de dépassement parce que j'ai vu que ça se décalait aussi par rapport à Giotto. De coller quand même.
Allez, on va redémarrer plus vite là. Plutôt, j'ai pris un peu plus court dans le virage pour démarrer plus tôt. On a freiné tard là. Allez, on en va rentrer dans le dernier tour. Dernier tour en course, c'est ton dernier tour. On est vraiment dans un mouchoir de poche là tous les trois. Alors là, on a l'aspiration plus le DRS. Albon qui zigzague un peu, qui va essayer de protéger l'intérieur, il a raison. Et j'ai une mouche qui est posée sur la main. Et on passe Albon. On passe Albon dans le dernier tour et je me bats avec une mouche hein, qui se pose sur mes deux mains. On va protéger là. On arrive trop vite, oh là 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 là, on est arrivé trop vite. Je voulais protéger Albon et d'un coup il y a Giotto qui a freiné un peu plus fort que moi. Ça nous a permis de passer mais pas très proprement, pardon. Norris qui s'est un peu envolé. Il va falloir que je m'arrave cette mouche avant la course sprint parce que... Alors ce qui est marrant avec les mouches, je vous raconte un peu ma vie, c'est que quand vous avez un temps de pause que vous les chassez, vous les voyez pas. Par contre, quand vous êtes en train de jouer et que vous bougez pas, elles viennent se poser sur vous, votre visage, votre front, vos deux mains. Allez, deuxième position. Comme celle-ci montre à quel point la Formule 1 est un sport d'équipe. Ils ont fait un travail énorme dans les stands pour sortir le maximum entre chaque arrêt et optimiser l'utilisation des pneus. Il faut reconnaître que tout ça n'aurait servi à rien sans un pilote talentueux au volant. Et voici nos trois premiers du jour. Déjà à l'origine de la réussite de grands noms de la F1, l'écurie Carlin a une fois encore démontré son expertise pour ce qui est de dénicher de nouveaux talents. Le gagnant d'aujourd'hui est promis un brillant avenir, aucun doute là-dessus. C'était une victoire amplement méritée. Après cette nouvelle manche du championnat du monde, voici à quoi ressemble le classement des pilotes. C'est un bon résultat pour Nicolas Latifi qui conforte sa place de leader au classement. Alors, Davide Valsecchi, quel pilote a réalisé la meilleure prestation aujourd'hui? À mon avis, c'est Nicolas Latifi. Il a fait preuve d'une conduite exemplaire. Ce qui est sûr, c'est que sa réputation est tout à fait justifiée. Voyons ce qui se passe au classement des écuries. Dams consolide sa place de leader. C'est une belle opération de la part de Campos qui réussit à bousculer la hiérarchie. Après tous ces rebondissements aujourd'hui, il serait vraiment dommage de rater la prochaine course. Alors à bientôt, j'espère. Et les amis, Lando Norris a dû nous rafler le meilleur tour à la fin de sur le dernier tour, parce qu'on l'avait jusqu'à la fin, le meilleur tour. Et il a dû nous le rafler juste à la fin. Donc voilà, on était parti 8e, on arrive 2e, c'est une bonne opération. Bon, j'avoue que le dernier dépassement sur Luca Giotto, je comptais pas le faire, hein, parce que... Je comptais surtout dépasser Albon et Giotto a freiné un peu plus fort que d'habitude. Et dans le coup, alors attendez. Hop. Et dans le coup, ouais, je l'ai dépassé, mais pas très très proprement. Voilà, donc on va tout de suite aller à la course sprint. Sans perdre plus de temps. Et donc là, en arrivant 2e, ça va nous faire un petit départ 7e. Donc on va essayer de remonter ça proprement. On va essayer de garder notre aileron cette fois-ci. On a un petit peu d'avance au classement général. Donc on va pas essayer de faire le kamikaze. Et nous sommes de retour. De retour après la course principale passionnante d'hier pour le sprint du jour. Les 8 premiers d'hier ont été inversés sur la grille. Et nous sommes quasiment prêts pour le départ.
Je ne suis pas le seul aujourd'hui à attendre impatiemment le départ de la course. Mon ami et ex-champion de GP2, Davide Valsecchi, assis à côté de moi, trépigne déjà sur le bord de sa chaise en attendant le début de l'épreuve. Comment ça va aujourd'hui ? Bonjour Alex, ça va très bien, merci. Et effectivement, j'attends le départ avec impatience. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, nous allons avoir droit à une course exceptionnelle. Prenons notre temps pour entrer dans le premier virage. On veut être en bonne position pour le reste de la course. Bonne chance. Ok, allez, c'est parti. Qui c'est qu'on a à côté ? On a Giotto à côté et Norris derrière. Ok. Norris, va falloir se méfier parce qu'il obtient les meilleurs tours ici. Allez, Giotto qui va essayer de nous serrer. Essayer de ne pas rentrer dans Albon. Oula, on a touché un peu Giotto. On conserve notre septième place. Ouais, avertissement collision, ouais, je sais. Mais il a un peu zigzagué aussi, Giotto. Hein. Allez. Drapeau jaune. Ouais, j'ai peur qu'ils me disent de rendre ma place. Allez, on a dépassé là proprement. Ça vient nous taper ici, là. C'est bon, on a gagné 3 positions. Ah, ça tourne mieux quand même avec les ailerons. Hein. Makino qui était derrière nous au début de la course principale. Qui a pas l'air d'avancer trop rapidement, là. Et on est bien remonté déjà dès le début, là. On n'a pas fait de dépassement sauvage. Makino qui a pas l'air d'avancer très très rapidement là. Ah, il se décale, mais on est déjà à côté de lui. Et c'est bon. C'est très bon même. On est sur le podium. Oh là là, oh là 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 là. C'est bon, ça passe. On prend le large par rapport à notre coéquipier. Drapeau jaune, drapeau vert, je sais pas, il y a eu... Ah oui. Derrière, il y a peut-être un pilote qui ralentit. Et c'était Camara. J'ai remarqué, alors, je sais pas si c'est lui qui a cassé pendant la première course aussi au premier tour. Et j'ai remarqué dans mes vidéos, quand je les regarde avant de les mettre en ligne, souvent le pilote qui casse son moteur dans la première course, c'est le même qui casse son moteur dans la deuxième course en fait. Et il marque carrément 0 points durant le week-end. Alors là, je sais pas si c'est le cas aussi, mais par exemple à Monaco, c'était deux fois Makino. Oh là, on gratte un peu. Alors c'est Mary devant nous qui a le meilleur tour, parce qu'il a l'aspiration de... Je sais pas qui est devant d'ailleurs. Makino qui ralentit un peu le trafic derrière. On est parti pour 7 tours là, ça va être extrêmement rapide. Ouais, Makino il ralentit tout le monde, hein, parce que je crois qu'il y a Albon qui est juste derrière lui. C'est Delatraz et Mary là, ok. On revient sur eux assez rapidement, j'ai l'impression. Ouais, on lâche vraiment pas Mary. On va peut-être même pouvoir l'avoir au DRS à l'aspiration dans la ligne droite de l'arrivée. Putain, j'ai freiné un peu tard là. Allez, ouais, non, on l'aura pas là, mais par contre on bénéficie du DRS et on prend le meilleur tour. Tu viens de signer le meilleur temps.
Alors là, il va falloir se méfier au freinage au bout là-bas. Derry, je pense qu'il va vouloir protéger l'intérieur. C'est tout à fait normal. On ralentit un peu avant. On se met à côté de lui. Et on le dépasse tout à fait proprement. Ce qui nous met en deuxième position, après un départ septième. Franchement, c'est une très très belle remontée. Et on a Makino qui bloque toujours tout le monde derrière. De la trace qui bloque les roues. Et il n'avance pas très vite. Hein. Oh là, ça aurait été risqué, un dépassement ici. Oh là, De la trace qui vient nous serrer alors qu'on était à côté de lui. Est-ce qu'il permet à Mairie de repasser? Non, oui, non, non, ça va. Qu'on revienne sur De la trace maintenant, on n'aura pas le DRS, je ne pense pas. Si, c'est bon, détection du DRS. Et Albon qui est actuellement en 5ème position. Et non, qui est même. Attendez. Si, si, il est 5ème Albon. J'ai oublié d'activer mon DRS. Et je crois qu'il a réussi à passer Makino quand on regarde les points de couleur sur le radar. Allez, ils vont vraiment pas vite, hein. Il y a vraiment possibilité de le dépasser et de finir en tête de la course. On est à côté de lui, mais il vient de fermer la porte. Hein. On lui met un peu la pression. J'essaie de me concentrer, je parle pas trop pour pas lui taper dedans. Ouais, j'étais obligé d'écarter là parce que j'ai eu peur de lui rentrer dedans. Ce qui permet à Mairie de revenir. Il a perdu de l'avance sur la voiture de derrière. Oh. Ouais, je sais bien, je freine un peu plus fort. Allez, on ressort bien du virage, mais ils ressortent bien eux aussi de ce virage là. Allez, on va essayer de lui faire comme à Mairie. Il va aller protéger l'intérieur, on va essayer de le prendre à l'extérieur. On est même mieux que sur Mairie. Et ça passe tranquillement dans cette épingle. Nickel, nickel. On bénéficie même du DRS qui va permettre de prendre un peu de large. Et Albon est actuellement quatrième, je crois. Et voilà, on passe premier dans cet avant-dernier tour. Après un départ 7ème, franchement, c'est une très très bonne opération. Voilà, pour ceux qui se diraient, ouais, tu démarres en F2, t'es déjà premier du championnat, machin et tout. C'est que contrairement à quand on va faire la F1, que je vais faire plusieurs carrières, hein, au moins 2 ou 3 facile, en F2, j'ai pas envie d'en faire 50. Hein. Donc moi, j'ai choisi l'écurie d'Ams parce que c'est celle que je vais prendre... pour faire les mini scénarios du mode carrière avant la carrière F1. Tu viens d'inscrire le meilleur tour en course. Meilleur tour, ouais. Donc voilà, autant se battre pour la tête du championnat tout de suite en F2. Parce qu'on sait qu'on ne sera pas en tête du championnat de F1 dès le début, vu qu'on va partir dans une petite écurie. Voilà, un petit glissade là au démarrage. Bon, on a pris le large. Hein. On est à l'aise sur cette piste. Même avec un aileron en moins, on a pu voir qu'on a pu remonter des places. Ok, le coéquipier qui a pu remonter aussi pas mal. Hein. On peut voir là qu'il est quatrième. En nous, on va choper 27 points là. 25 points de première place, plus 2 points de meilleur tour si je ne sais pas battu.
Et on va aller saluer l'écurie ici. Et voilà. Tu as réussi, bravo. Yes. Une nouvelle victoire sensationnelle pour Dams. Comment expliquez-vous ce triomphe, David? Quelle course, Alex! Ce n'est pas tous les jours qu'on a droit à un spectacle de ce calibre. Il était moins question de stratégie et de gestion des pneus que de repousser les limites et de se battre pour la première place. Je crois que la course d'aujourd'hui prouve bien pourquoi la F2 attire de plus en plus de fans. Et cette course va bien évidemment accentuer cette tendance. J'aperçois à présent les pilotes approcher de ce podium qui va récompenser la performance de toute une équipe aujourd'hui. Bravo à Adams pour le travail accompli et pour cette magnifique victoire. Voyons à quoi ressemble le classement des pilotes. C'est un bon résultat pour Nicolas Latifi qui conforte sa place de leader au classement. J'ai une question pour vous, David Valsecchi. Qui est le pilote du jour? Après une telle performance, mon choix se porte naturellement sur Nicolas Latifi. Une conduite très propre et sans accroc. Il peut être fier de sa prestation. Passons donc aux écuries. Dams consolide sa place de leader. Incroyable week-end auquel nous venons d'assister. A très bientôt pour un nouvel épisode palpitant de cette saison de Formule 2. Et voilà les amis, donc nous sommes actuellement, c'est bien ce que je disais, le coéquipier est quatrième. Donc au classement, nous sommes donc on conforte notre place hein, avec 170 points. Notre coéquipier est deuxième avec 129 points. Il a pris un peu le large sur Russell, qui le talonnait d'un petit point d'avance. Maintenant, il a pris 21 points, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour lui. Et au niveau de l'équipe, hein, on est large aussi, on est tranquille. Donc voilà, on est donc à la mi-saison de cette carrière F2 les amis. J'espère que vous aurez apprécié ces deux courses. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Et ciao, bye bye.